Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'ouvrir enfin mes amis, la série Astres radieux que j'ai pas encore pu ouvrir jusqu'à présent. Ce sera la première fois, je vais découvrir la série avec vous. Je ne me suis pas fait spoil une seule fois. Voilà, à chaque nouvelle sortie de nouvelle série de cartes, c'est pareil. Je fais en sorte de ne voir aucune vidéo, aucune carte présente dans la série pour me laisser le plus de plaisir possible à l'ouverture. Je découvre la série. Voilà. Et bien, j'espère que vous, ça va, parce que moi, ça va très très bien. Allez, c'est parti. On va tout ouvrir d'un coup. On va tout ouvrir et on enchaîne les 6 boosters. Ah ouais, moi, je suis comme ça, je suis un dingue. Ah ouais, les 6 boosters d'un coup. Je cherche plus à comprendre maintenant. Hop. On ouvre tout. Allez. Même les illustrations des boosters, je les ai pas vues. Donc déjà, le carte code, c'est moi qui régale. On a encore du Nymphalie et Evoli en promotionnel. Ah, Evoli, ses évolutions, je vais finir par les gerber tellement il y en a. Non mais sérieusement, il y en a de trop. Tous les tripacks, les coffrets, les pokébox en ce moment, c'est que eux. Un beau jeton de Evoli. Non mais faut avouer par contre, hein, c'est vrai qu'on en bouffe hein, du Evoli et ses évolutions. Ces temps-ci, ça n'arrête pas. Faudra qu'ils arrêtent parce que... Ok, c'est peut-être vendeur, mais au bout d'un moment, stop quoi. Donc le Evoli... J'allais le zapper pour vous dire, hein, j'en ai un peu marre de le voir. Voilà. Beau petit Evoli. Pareil, la carte code. Premier arrivé, premier servi. Évidemment. Les boosters. Le jeton, je ne le présente plus, évidemment. Paf. Et donc, ça y est, on est devant nos 6 boosters. Donc, Archiduc de Hisui, du coup. Typhlosion de Hisui. Palkia. Qui est dégueulasse, hein, on va pas se mytho. Clamiral de Hisui. Et c'est tout. Il n'y a pas un Dialga? Si, moi je crois que si, donc du coup j'ai peut-être pas les 5. Je crois qu'il y a un Dialga. Bon, après j'ai peut-être une connerie. Hein. Je sais plus. Enfin, pour vous dire, je me suis pas fait spoil même sur ça. Dans quel ordre on le fait? Moi j'ai envie de garder les Typhlosions pour la fin parce que j'aime bien. Vas-y, après le Palkia, et on va faire les deux archiducs en premier. Voilà. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Allez, c'est parti. Donc, on découvre. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Déjà, je suis content d'aller en magasin, et enfin... Parce que là, il y a du stock. Franchement, il y a du stock. Je suis allé tranquille en magasin, en fin de journée. Un stock énorme dans mon champ, un stock énorme à la Fnac... Voilà. Ah, il y a encore le système de carte blanche, carte noire. Bon, bah déjà, je sais qu'ici, je vais pas avoir grand-chose. Ou pas, hein. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à la place de la reverse. Allez, c'est parti. Donc, je disais énorme stock. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir aller en magasin et trouver facilement. Énergie eau, Barbicha, Vitalité de Flo, Électrode de Hisui. Ah oui, c'est vrai, on aura beaucoup de cartes Hisui. Tarsal, Farfuré de Hisui. Feu Forêve, Barloche, Scalpion, Créfadé en peu commune reverse et un Galopa en simple rare. Bon, on commence tout doucement, voilà, on découvre, tranquille. Et après, on va avoir du lourd. Allez, Archiduc. Ah, une carte noire. Comme le café. Blague de merde. Donc, 4, c'est parti. Allez, on espère. Déjà, c'est bombé. Ça sent bon, ça. Énergie feu. Aquaquac. Bélila. Ferisson. Feu Forêve. Barloche. Insécateur. Très beau insécateur. Avec le dresseur derrière qui va essayer de le choper. Evoli, magnifique Evoli, très très beau. Scarino, Temple de Sinnoh en peu commune reverse. Et derrière, on a
Une full art. Ok, c'est quoi? C'est une alternative? J'ai une alternative, putain, deuxième booster que j'ouvre de la série. Deuxième booster que j'ouvre. Bah, vous voyez, moi qui me suis pas fait spoil la série, je vois cette carte-là, je suis fou. Bah, j'espère que je me trompe pas, hein. J'espère que c'est bien une alternative. Mais je pense que oui. Oh, mais elle est magnifique. Fragilady de Issui V. Avec les étourmis en haut, le Pachirisu dans le tronc d'arbre, Obali. Ah, il y a même un marcacrin là. Là, c'est les Quillfish. L'évolution de Quillfish, je ne sais plus son nom. Ça, je ne sais plus son nom non plus. Bref, Fragilady et Furéglon ici. Magnifique carte. Magnifique carte. Magnifique carte. Tout de suite. Waouh. Qu'est-ce qu'elle dit? Le cadrage, il pue du cul, mais waouh. Je suis sur le cul. Voilà. J'avais dit le premier booster, on y va tranquille et après on sort le lourd. Je suis vraiment un bâtard. Putain, j'ai niqué le game. C'est pas possible, putain. Même moi j'ai envie de me frapper là. Là, y a trop de bol. Carte blanche. Mais j'aimerais bien savoir si une carte blanche tu peux avoir quelque chose. Je pense que oui. Je pense que oui, genre à la place de la reverse. Allez, c'est parti. Énergie plante. Curry épicé au piment. Magnéton. Marée bouche bée. Évoli. Scarino, Teddy Ursa, Démanta, trop belle carte, beaucoup trop belle. C'est un Paragruel, ça y est. Pardon, ça m'est venu d'un coup. Le Pokémon dans l'eau là. C'est un Paragruel, la grosse tête là. Je me souviens. Un sécateur. Une TG. Belle de neige, magnifique. Bah voilà, on peut avoir quelque chose avec les cartes blanches. On l'a à la place de la reverse. Il y a aussi des TG, ça y est. Je ne me suis pas fait spoil, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, je me répète, mais pour moi, là, c'est 100% découverte. Je ne savais pas. Ils ont remis les TG. Magnifique, je suis trop content. Et du coup, derrière, bah, Regieleki en rare. Bah, je ne l'avais pas, hein, c'est bien. Waouh. Non, mais là, arrêtez, arrêtez. Faut arrêter, là. Non, continuez. Pardon, non, n'arrêtez pas. Encore, encore, j'en veux encore. Putain, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et on n'en est qu'à la moitié. Allez, on est parti pour Palkia. On est parti pour Palkia. Je suis trop bien. Une TG et une alternative. Mais merci. Carte noire. Oui. La dernière fois que j'ai une carte noire, j'ai une alter. 2, 3, 4. 4, ouais. Peut-être une holo après. Hein. Énergie combat. Plume ball. Ursaring. Temple de Sinnoh. Togepi. Magnifique Togepi. Apitrini. Pijako. Psychokoak. Baudrive. Électrode de Issui en peu commune reverse. Et une petite V, ça y est, première V, c'est parti. Et ce sera un Lucario V, trop bien. Trop bien. Oh, mais c'est tripack de l'enfer que je t'ai sorti là. Oh, Lucario V, incroyable. Troisième hit. Non, mais là, j'ai niqué le game, je suis désolé. J'ai niqué le game. Il nous reste deux Typhlosions. Putain, ils sont durs les boosters.
Mais il est bien ouvert du coup. Carte blanche. Dommage, dommage. Du coup, on peut choper quand même une TG. On va espérer. Hein. Énergie ténèbres. Marée bouche B. Yann Mega. Sika. Grelasson. Hippopotasse. Hérissandre. Insécateur. Très beau insécateur. Caninos de Hisui. Togeki sans rare reverse, bah, ça fait plaisir. Et derrière, du coup, je pense qu'on n'a rien. On a un Quillpix de Hisui en rare. Très bien. Bah, le Togeki sans rare reverse qui fait plaisir. Et on arrive au dernier booster. Voilà. On a quand même eu, même dans un booster où on n'a pas eu d'ultra, on a quand même eu deux rares. Bah, c'est pas mal. C'est même très bien. Ah mince, carte blanche. Donc au mieux, je te ferai une TG pour terminer. Au mieux. 3, 4. Oh, je ne saurais pas dire. Énergie Psy, Barbicha, Vitalité de Flow, Cochignon, Simularbre, Magnéti, très beau Magnéti, hein. Tarsal, Farfiré de Hisui, Feu Forêt. Putain, je vois que j'ai quelque chose. J'ai une V. Comment ça se fait? Je suis pas arrivé à la reverse. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est une TG. Électrode de Galar V. TG 19 sur TG 30. Et à Pyrène en rare. Ah, ils font des TG avec une V en V comme ça. Alors du coup, je sais pas. Est-ce que c'est rare ça? Parce que je connais pas, encore une fois, je le répète. Est-ce que c'est rare? On dirait, il y a une sorte de relief. Comme si que c'était une... Parce que les TG classiques n'ont pas de... Elles n'ont pas de relief comme ça. Alors si ça se trouve, là, je ne m'enjaille pas parce que je sais pas. Mais si ça se trouve, c'est une putain de carte super rare. J'en sais rien. Et du coup, ça m'énerve. Parce que je sais pas si je dois être content. Je vais quand même être content parce que bah, c'est une ultra. Je vais quand même dire ouais, superbe et tout. Mais si ça se trouve, on va m'incendier dans les commentaires. On va me dire mais putain, t'as eu une carte de ouf, espèce d'enfoiré. Mais ok, bah tant pis, excusez-moi. Mais encore une fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une carte très rare ou pas? Ou une carte comme une simple V, tu vois, vu que c'est une V. Je sais pas. Mais elle a l'air vraiment très très sympa. Voilà, j'ai l'impression que je vais me faire défoncer dans les commentaires parce que j'ai vraiment l'impression que cette carte est plutôt intéressante à voir. Eh bien écoutez, que dire à part un petit bilan de ce qu'on a eu? Eh bien on a commencé avec un Fragile Lady magnifique, Fragile Lady de Hisui V alternative, Belle de Neige en TG, Lucario V et un Électeur de Galar V TG aussi. Et peut-être alter, j'en sais rien. J'ai un doute là-dessus. Enfin, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, oui, un grand oui, j'adore la série Astre Radieux. Pourquoi? Bah parce que j'ai une chatte phénoménale. Et je suis super content de cette série. Elle est vraiment belle, de magnifiques cartes. Apparemment, un bon tirage. On voyait en deux tripacks ce que j'ai eu. Regardez ce que j'ai eu en deux tripacks. Franchement, elle régale cette série. Je suis vraiment très très content. Ça fait super plaisir. Ça change de cette putain de série de points fusion. Et bah, que dire à part que vous pouvez vous servir. Il y a un stock de fou dans les magasins, un stock monumental. Donc si vous pouvez, allez-y. Il y en aura pour tout le monde. Du moins, je pense. On peut être surpris. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!